vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Mais cette fois ce ne sera pas avec Néo, mon petit chien, mais avec Calici, qui en a strictement rien à faire. Parce qu'elle dort. La box se présente comme ça. Exactement comme celle du chien en fait, mais dedans c'est spécial chachaminou. Alors pour commencer il y a le Miaou Mag. Oh, un chat se réveille. Tadam, miaou miaou. C'est pour qui le Miaou Mag? Un peu de lecture mon chaton. Bah oui, c'est toi qui vois. Alors, un peu de lecture. Dans ce Miaou Mag, nous avons comment faire les présentations entre chats. Bah moi, mon chat, il se prend plus pour un chien, genre comme ça. Oh, on vient faire du frotti-frotti à la boîte. Tu as compris que la Miaou Box, c'était pour toi, mon chaton. Alors, dans cette Miaou Box, nous avons un petit jouet, une petite souris. C'est pour qui le jeu? Alors, mon chat se prend pour un chien. Donc, normalement, si je lui lance son jeu, elle va aller la chercher. Ce jeu a été approuvé par mon chat. C'est une souris qui fait gling-gling. Bon. Forcément, Néo n'est pas encore rentré. Quand il va rentrer, il y a des chances pour que ça se passe pas très très bien pour cette souris. Alors ensuite, on passe à un petit collier de chez Félix. Elle est moins fan des colliers. Hein. Mais le gros lot, par contre, elle aime bien. Je suis pas fan de la couleur. Je vous avoue que bleu et vert pour un chat femelle, c'est bof. Et j'aime pas trop non plus qu'il y ait marqué Félix dessus, là. Mais après, si jamais mon chat décide d'aller explorer la nature, je trouve que c'est quand même bien d'avoir un collier. Au moins, on identifie quand le chat est à quelqu'un. Mais le petit gros lot en appartement, c'est pas possible. Au moins, la souris et le collier sont totalement assortis. Ensuite, on va passer aux friandises. Je sais pas si je vais arriver à la garder avec moi. Parce que les chats, ça fait ce que ça veut. Ça vient quand ça veut. À part quand on entend le bruit de la boîte. Non, ce chat n'est pas traumatisé. Et nous passons directement au jeu numéro 2. Décidément, c'est la journée des grelots. Alors, pour ce jeu, je dirais que, je sais pas, ça ressemble à un petit beignet. Avec des choses de rasta. Et un petit grelot. Alors ça va être dur de l'occuper avec un deuxième jeu maintenant. Ça fait trop de jouets d'un coup. Calici, j'ai eu une attention. Attention. Hop. 3, 2, attaque chat. Et c'est un oui. Je valide. Alors pour terminer cette box, nous avons un après-shampoing. Alors personnellement, je ne fais pas de shampoing à mon chat. Mais pour les chats qui ont les poils longs, pourquoi pas. Alors c'est quoi? Nourrissant et protecteur, pH neutre sans parabènes, aux extraits naturels de goyave et à l'huile de coco. On a presque envie de l'utiliser pour soin. Ça sent trop bon. Ouch, ça m'a explosé. Ça sent super bon. C'est pour chat, ça, vous êtes sûr? Parce que franchement, il n'y aurait pas les papates de chat, je le prenais pour moi. C'est super doux, ça sent très très bon. Je vais avoir les mains qui collent, mais c'est pas grave. Mais après, tu fais des bisous à ton chat tout le temps. Hein. Bon, alors on a ce petit produit de beauté spécial chez Chachaminou. Et ensuite, nous avons des tonnes de friandises. Des chicken filets mini strips. Voilà, avec un beau petit chachat dessus, un petit cœur. Ça, c'est le spécial Saint-Valentin. D'accord, donc ça, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Ensuite, alors ça, je sais pas si c'est des croquettes. Ça a l'air croquettes de bonne qualité, avec tous les ingrédients à l'intérieur. Nous avons des tomates, des céréales, des carottes et des minéraux, des pommes de terre, sans gluten, d'accord. Je savais pas que... Je pensais que c'était mauvais, moi, pour les animaux, les pommes de terre. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et du chicken. Donc ça, c'est pour, voilà, c'est pour un chat... Donc ça, c'est les petites croquettes qu'on n'achète pas tous les jours, mais de temps en temps, qui font plaisir à notre chaton. Même si le mien, je sais que son plaisir, sans citer de marque, ça reste quand même la pâtée pour... Mais ça, je pense que ça va lui plaire. On va tester ça tout de suite. C'est pour qui, ça? On tente. Attention, au moins c'est un chat qui écoute le bruit de la nourriture. Est-ce que c'est bon ça? C'est quand même un chat difficile, hein, je tiens à le préciser. Quand c'est pas de la pâtée, bon, je veux bien goûter, mais faut pas trop insister non plus. Mon chat, ça a l'air super bon. Tu veux pas regoûter pour faire plaisir à maman? Maman adoptive, bien sûr. Non, bah non, c'est pas validé par mon chat. Mon chat est un chat difficile. Il est pire que sa mère. Il est pire que moi. Ensuite, on a des petites choses comme ça. Alors ça, je sais déjà qu'elle aimera pas. Parce que j'ai déjà testé tout à l'heure une. Ça a été cassé ici, je sais pas si vous voyez. Là, celle-là a été cassée. C'est pareil, j'ai essayé un petit morceau. Elle m'a dit non. Donc ça va vraiment dépendre des chats. Il y a des chats qui vont adorer, il y a des chats qui vont pas aimer. Je sais que mon chien c'est pareil, il y en a certains qui l'adorent, il y en a d'autres, c'est même pas la peine de lui présenter. Pour qui, pourquoi? Bah, c'est des animaux comme nous, hein, on a nos goûts, et puis ça c'est nul. Et celle-ci, bah, je vais les tester, ça par contre je pense que ça passera bien. Généralement moi je lui fais des mélanges de croquettes, je lui prends des croquettes à deux goûts, et je lui fais des mélanges avec de la même marque. Donc je ferai ça, de toute façon c'est pas bon de changer entièrement le bol de croquettes. Idéalement voilà, quand on veut intégrer une nouvelle nourriture, il faut l'intégrer au fur et à mesure, donc...
je mettrai une petite poignée et on verra si ça lui plaît. Et voilà pour ce petit panier de friandises qui est terminé. Donc on aura quand même eu deux jeux, un petit collier avec une clochette, trois quand même nourritures différentes pour chat et mon petit coup de cœur qui reste quand même celui-là. Tu vas tester Calicie après, si t'aimes pas l'après shampoing, t'aimes pas, mais franchement, ils sont super bons. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. On va essayer de choper la minette pour vous faire un gros bisou et vous mettre une petite papate blanche d'amour. Ma star vous fait un gros bisou, elle vous remercie parce qu'elle va s'éclater comme une folle. Oui mon chat. Plein de bisous, plein d'amour et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. I could stay like this, forever following you.